Eh bien, salut à tous les amis, c'est Guy, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test de jeu, le premier sur ma chaîne. Donc on se retrouve sur Portal 2, donc Portal 2, un petit jeu sympathique qui est sur Steam, donc développé par le Valve, qui est sur Steam pour la modeste somme de 15-20 euros. Et je vous laisse. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Allez, c'est qui le papa ? Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Oh ! Ok. Bien. La partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Chaud. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le tableau encadré est accroché au mur. Venez oh vous placer devant. Bon. Oh, c'est joli. Ceci ah est un art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Oh, c'est joli. Les mentales ont été par l'art. Vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé. Veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Ta gueule! Je fais dodo. Petite musique là, sympathique. 9, 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 ce message. Ce message a pour but de vous informer que tous les sujets de test doivent quitter sans délai le centre d'enrichissement. Oula! Oui? Ah! Oula! Vous avez une mine affreuse. Superbe. Comment ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là, non, toi? Ne répondez pas, je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Vous êtes ah là. Oui. Je vais nous faire sortir d'ici. Attendez, on va faire comme lui, il sent. Ah 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 je vais se mourir ah. On va mourir. On va mourir ah, ah, ah ouais, ça va. Hein? Pourquoi arrêt du moteur? Ça va? Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez oui pas, hein? Tu couches ta tête? Si vous vous inquiétez, tu veux que je te casse ta tête? Une réaction normale. Hein? On vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Tu veux que je te casse ta tête? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Oui. Je vois, non, ça s'appelle sauter, vous avez sauté, c'est ça, mais peu importe. Petite pomme, pomme. Bon, vous savez quoi, on va s'en contenter. Accrochez-vous. Hein? Pourquoi quand ça me dit dire pomme, je saute? Hein? Hein, putain de tricheur de merde! Je sais parler, ok? Oui, et pomme! Hein? Bah du coup moi aussi. Ah bah oui, nickel. Ma chambre est en train de se détruire, mais ça va, nickel, c'est... Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Un peu? Bien sûr, qui est le dernier informé? Moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit? Hein, je me demande, à quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser? Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer? Je vois que non. Ouais, non. Faut juste que je passe. Non. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on... Excuse-moi, est-ce normal que je sois dans un truc chelou? Je suis rentré en plein dedans. Mais quel triseau. Mais on est dans quoi là, juste comme ça? Ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout mort. Ouais, ok, je vois. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a une porte. L'un des vieux circuits de test. Oui, mais il y a une porte. On a un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois bien, que mais il y a une porte. Ça. Oh putain. Préparez-vous. Oh putain. Oh putain. Ah!
Laisse-moi aller à l'autre bout, je m'en bats les steaks. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Ouais bah rien du tout, moi je me tiens au bout hein. C'est mon chien. Ne vous inquiétez pas. Y a pas de mort chez moi, c'est juste ma maman qui rentre et mon chien qui est complètement con aboie. Je vais d'ailleurs fermer ma porte. Vas-y, pète le mur. Il a pété le mur. Hop, voilà, tu fermes ta gueule, espèce de chien. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Ouais. Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord? Descends là. On se retrouvera plus loin. Ah le bâtard. Et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Bonjour. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes. Apocalyptique. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivations afin de continuer à servir la science. Et en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation, le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1. Désolée, elle avait pas pris ses clés, ma maman. Donc, je viens de vous faire perdre 30 secondes de votre malheureuse vie. What the fuck? What? Ah, ok. Ah, d'accord. Et oui, là, donc, du coup, je me vois là. Ah, c'est classe. D'accord. Ok, bref. Bonjour. Donc moi j'étais là. Les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Si les difficultés sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire deux fois. J'ai regardé des tutos vite fait avant hein, pour pouvoir avancer. Vous remarquerez le champ de particules incandescentes situé devant la. Donc je connais les touches. Le matériel d'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé la traversant. Donc je connais les touches, je suis un peu l'histoire en même temps pour pouvoir avancer un minimum parce que sinon si j'attends de savoir tout ce qu'il faut faire appuyer les touches parce qu'à chaque fois ils nous disent 4 ans après. Je préfère, sinon j'aurais fait un let's play, mais là c'est un test de jeu, donc Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare, mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. C'est ça s'allonger. Ouais, bref. Comme ça. Ah, ok. Passionnant. J'ai pas compris. Non, pas compris. Ok, je vois, je crois. D'accord, ouais, c'est ça. Là je fais ça. Comme ça. Après je fais ça. Et après je fais ça. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. À
avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. C'est marrant, hein. Hein, c'est marrant. Laboratoire. Je sais même pas ce que c'est, Aperture. Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Hey, vous avez réussi. On est encore là, toi. Un générateur de portail sur ce podium. Mais je le vois pas. Il est peut-être tombé. Je fais demi-tour et si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ça marche comme ça ? Allez, on y croit ! À dans une heure ! Enfin, peut-être. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. C'est marrant de tirer en même temps. J'essaie de pas prendre trop de temps, hein. J'essaie de faire ça rapidement. J'avais un pote qui faisait des speedruns sur ce jeu. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1. Oh, ça a trop l'air mortel, hein. Attends, c'est quoi qui est mortel là? Au travail. Ce message étant préenregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. T'es pas sérieux, mec ? Ok. Non, c'était très très mortel. C'est sympa comme jeu, hein, je trouve. Faut réfléchir un petit peu, pas trop non plus. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Tu te fous de ma gueule, là.
Là, tu te fous de ma gueule, là. D'accord. Mais ça me donne pas envie de plonger dedans, hein. Oh putain, c'est con comme la lune. Ok, je vois quoi. Ah, c'est pas du tout ce que je croyais en fait. Donc c'est à ce moment-là. Oh putain. C'est bien ce qui me semblait. Ah merde, je vais faire comment du coup? Ok. Je fais comme ça. Nickel. On fait des putains de simples ces machins. Et ben voilà. Le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques. Bon les amis, je vais vous laisser là, hein. Si vous voulez connaître la suite du jeu, vous l'achetez tout bêtement. Ouais, bref, pardon, excusez-moi. Si vous voulez savoir la suite du jeu, vous l'achetez. Il est pas bien bien cher, hein. Et voilà, tout simplement. Aussi, je voulais vous dire, vu que ça a l'air de caver pas mal de gens, les vidéos sur Skyrim, je vais arrêter. Oh tiens, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et on va pas faire, je vais pas, enfin, je vais arrêter de vidéos sur Skyrim. Et je vais plutôt faire sur un autre jeu. Alors, vous avez le choix. Entre Far Cry 3 et... Splinter Cell Conviction. À travers les portails, si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, parce que Blacklist, il est encore trop cher, je peux pas me l'acheter. Mais pour l'instant, j'ai Conviction et... voilà, je me suis pété la gueule. J'avais envie, voilà. En plus c'était con comme la lune, voilà. Oh merde, et du coup voilà. Oh merde, et du coup ouais. Bon, du coup voilà. Oh le con. À la limite, si je fais ça. Oh oui! Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir. Et l'avenir commence avec vous. Ça peut être marrant, ça. Ouais, c'est marrant, ça. Ok, c'est simple comme tout. Je suis désolé de pas trop parler, mais...
suis un peu concentré en fait. C'est super simple, mais bon. Voilà. Nickel. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Ouais les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo et je vous dis donc merci d'avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas de me dire Conviction ou Far Cry 3. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Bye.